Ok. C'est magnifique. Hey les amis, qu'en dites-vous? Ça vous tente? Vous aimeriez regarder la version longue de la vidéo? On la fait dans ce cas? C'est parti! Hey guys, j'espère que ça va, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui j'ai fait un tour et je suis tombé sur mes frères congolais ici. Et on est émerveillé par ce qui se fait en ce lieu. Je ne veux pas être le seul à parler parce que vous allez dire qu'il a tendance à vanter son pays encore et encore. Mais j'aimerais que mes frères ici à côté interviennent et disent leur point de vue par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Bon, on est ici dans cet espace qui était... Bon, je veux dire un vide, hein, devant le palais de la justice, en face du palais de, du ministère des Affaires étrangères. Et le travail qu'on est en train de voir est incroyable, vraiment. Moi, personnellement, je ne peux pas imaginer qu'on pouvait avoir ce résultat en moins de 2 ans. Et ce qui se fait est juste incroyable parce que ça ressemble à quelque chose maintenant. On peut s'en passer. Et les bâtiments qui sont faits pour les finances, voilà. Il faut voir. Vraiment, c'est très impressionnant ce qu'on a fait. J'apprécie et je souhaiterais que, à l'avenir, qu'il y ait des édifices comme ça un peu partout dans la ville. Hein, Changou, Maluku là-bas et tout ça. Décentraliser un peu l'activité, ça créerait beaucoup d'emplois et un beau vivre là-bas aussi. Donc voilà. Merci beaucoup mon frère. Et je retiens que vous avez dit, vous souhaiteriez que ce genre de choses soient construites. Pas seulement au centre-ville, mais ailleurs aussi, ouais. À l'intérieur de la ville, au quartier des alentours. Ça décentraliserait les choses. Ça décentraliserait les choses. Et on aurait moins d'embouteillages d'ailleurs en ville ici, de ce côté. Merci à vous. Mon frère, ici à côté, ça a été mon ange gardien aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais un peu peur de comment la sécurité allait réagir. Mais lui, il m'a donné du courage, il m'a donné de la force pour rentrer à l'intérieur de ce bâtiment et filmer même en détail, filmer les bâtiments, plutôt je veux dire, les salles qui sont en construction à l'intérieur, en l'occurrence la salle des congrès. Et ça, je vais vous en faire profiter dans cette vidéo. Sincèrement, perso, je suis très impressionné. Je ne m'attendais pas à autant d'excellence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce que moi, je dirais ceci. Il manquait qu'une personne qui pouvait porter l'amour de cette ville. Alors, on a eu un président qui porte vraiment l'amour de cette ville. Et voilà maintenant du zéro. Ça va encore se reproduire chaque année, chaque mandat. Merci. Merci. Merci vraiment. Et comme vous le savez les gars, ici on n'est pas trop politique. Mais là je pense qu'il y a quand même une volonté qui s'est exprimée depuis quelques 2 années ou 3. On est en train
d'assister à cette volonté politique de la part de notre gouvernement. Et moi, je pense que c'est simplement de la sincérité intellectuelle que de reconnaître que là, il y a eu un travail qui a été fait et qu'il faut le reconnaître en tout cas à ceux qui l'ont fait, à ceux qui ont eu la volonté pour le faire. Donc, c'est pas tant de la politique pour vanter un homme politicien, mais c'est juste une façon pour nous de... Voilà, de reconnaître que là, du boulot a été fait et que c'est à acclamer, quoi. Merci, merci les gars. Profitez de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Lorsque cette salle de congrès sera finie, elle ressemblera à ça. C'est la deuxième plus grande salle des congrès d'Afrique. Elle est très importante. Elle est plutôt jolie. Et ici, ce sera le hall du prochain hôtel que vont abriter ces deux immeubles. C'est tout en bois et c'est très beau. Hey les gars, est-ce que vous avez vu ça? Sincèrement, ça, quand ça va être fini, il paraît que ça va être inauguré bientôt, là, dans quelques jours. Et sincèrement, c'est très beau, c'est juste très beau cet endroit. Et nous, on vient de faire un tour, on a beaucoup aimé ça. Vraiment, c'est très très beau. Et merci à ceux qui se mettent au travail pour pouvoir rendre tout ceci possible. Allez, ce soir on a fini ici. Les gars, mes statistiques peuvent me montrer que vous êtes plusieurs à me suivre sur cette chaîne, mais que la plupart d'entre vous, vous aimez nos vidéos, c'est vrai, certes, mais la plupart ne sont pas encore abonnés sur la chaîne. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à rendre cette vision que nous avons possible. Réalisez ce rêve avec nous, rendez le possible pour nous. Juste juste en vous abonnant et en likant nos vidéos, surtout n'hésitez pas de commenter, tout ça va contribuer à faire booster cette vidéo. Donc voilà les gars, soutenez nous rendez ce rêve possible pour nous, permettez nous de raconter l'histoire du Congo à travers le monde, que le monde connaisse le Congo. Notre but à nous en tant que chaîne, comme vous le savez bien, c'est d'enlever cette image négative que les gens ont du Congo. Nous voulons raconter une histoire plus belle du Congo.
Et ça ne sera possible que grâce à votre soutien. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, likez nos vidéos, commentez-les, surtout partagez-les à vos proches. Et ce sera votre façon à vous de soutenir l'amélioration de la narration, ou comme on le dit souvent ici, l'amélioration du narratif sur notre pays. Merci les gars, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup et à plus tard.